Et les amis, je sors d'un petit déj qui m'a coûté 300 euros. Ouais, j'étais là. En fait, j'ai pris un petit déj avec Julien Musy et 9 ou 10 autres personnes. Et beaucoup de réflexions, en fait. Ça m'a beaucoup aidé, je pense. J'en tire beaucoup de choses. Et une chose que j'en retire, c'est que moi, une crainte que j'ai, qui m'empêche de réussir, qui m'empêche d'atteindre le niveau de succès que je veux vraiment, je pense, c'est cette peur de perdre mes valeurs. J'ai cette idée que quand on réussit, quand on devient millionnaire, on perd son humilité, sa bonté, sa générosité. Toutes les qualités que j'ai dans une certaine mesure et que j'aspire surtout à garder et à développer en fait. Et d'avoir passé ce temps avec Julien, je pense, m'a aidé à comprendre que non, en fait, on peut gagner beaucoup d'argent en restant quelqu'un de humble, simple. Et voilà. Donc, ces pots de confiture, c'est pour ma femme et mon neveu, en souvenir. Et je vous invite à passer du temps avec des gens inspirants. Donc, moi, j'organise. Bah, Julien sera au sommet virtuel solopreneur. Donc, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. J'organise des rencontres 3 fois par an. Si vous voulez venir, venez être inspiré, côtoyer des gens. Parce que Julien, je le suis depuis un moment. Mais tant qu'on ne rencontre pas les gens, vous savez, sur Internet, sur les médias sociaux, ce n'est pas vraiment eux comme moi. Là, vous me regardez. Est-ce que c'est vraiment moi? C'est difficile. Allez, je vous laisse avec un petit bonus. Je viens de voir le piano. C'est le seul truc que je sais. Ciao, ciao les amis.